Alors, tu vas travailler le geste de la main. Tu peux déjà le faire sans jouer les notes. Juste comme ça, tu poses ta main sur le piano. Voilà, la main elle est complètement en dessous du clavier. Les doigts sont sur le piano, mais la main est en dessous du clavier. Et puis là, je fais tout le contraire. Je lève complètement la main, puis même, je peux aller même dans les touches noires si ça m'amuse. Hop, et revenir. Voilà, ça, déjà, ce mouvement-là, il faut bien que tu arrives à le faire toute seule, sans jouer les notes, sans forcément jouer avec l'épaule. Tu vois, c'est juste la main qui va se lever et qui va descendre. Et maintenant, sur chaque mesure, à chaque fois, la première note de la mesure, tu vas la penser en bas. Regarde, dès le début, quand j'attaque, je vais vers le bas. Là, je suis en bas. Et la deuxième note de la mesure, c'est la plus haute. Tu relèves ta main. Et puis après, la troisième note, tu vas baisser. Et après, tu vas encore baisser. Et voilà, tu redémarres maintenant la deuxième mesure avec la première note en bas. La deuxième note en haut. Et puis tu baisses. Tu baisses, première note de la mesure, en bas, tu relèves, et tu rebaisses. Et là, on est sur la ronde, et à la fin, on respire, hop, on coupe, et on réattaque. En bas, et on relève, et puis on rebaisse. Donc il faut chercher le geste où d'abord on est en bas et puis on relève tout de suite sur la deuxième note et puis après on rebaisse. Dans chaque mesure il y a 4 noires, à chaque fois la première noire c'est la plus basse, la deuxième noire c'est la plus haute. Et puis après je redescends au fur et à mesure et maintenant je démarre la mesure suivante, pareil la première noire c'est la plus basse, la deuxième c'est la plus haute et puis je redescends. Etc. Voilà.